Have you felt like something is missing in your life? That there's more to life than the one you are living? Then you, yes you, are invited to obtain an abundant life during our 16th annual convention. Continuous divine miracles, uplifting music, and power-loaded sermons. A weekend shaped to transform your life. The date is set for July 26th to 29th, starting 5 p.m. on Thursday, all day Friday and Saturday, and then coming to an end on Sunday. Join us in New England region and Holiday Inn at 700 miles, Standish Boulevard, Taunton, Massachusetts, with Pastor De Leonie and More of God's Children. Join Pastor Dr. Roth ECN and More of God's Leaders at Deeper Life Bible Church, 213 East 144th Street, Bronx, New York. Pastor Raheem Oni and other ministers will be expecting you at Deeper Life Bible Church, 23 South 20th Street, Irvington, New Jersey. If you live closer to Deeper Life Bible Church, 5075 Barthold Road, Denton, Texas, then attend the program with Pastor Thompson Adiremi and Great Plains Region. Pastor Michael Dada and Mid-Atlantic Region will be meeting at Deeper Life Bible Church, 2000 Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard, Kinston, North Carolina. Lastly, Pastor Dr. Ike Okafor and Pastor Dr. Akin Adeyemi will be waiting for you at Deeper Life Bible Church, 245 University Avenue West, St. Paul, Minnesota. The General Superintendent, Pastor W. of Kumuyi, will be ministering at all of these locations. Come and be filled with daily preachings, prayers, and praises from all of our leaders. Join the people of God for an all-round, life-changing experience that I assure you, you cannot miss. Do you want to live the abundant life? Deeper Life Bible Church invites you to our annual national convention beginning at 5 p.m. on Thursday, July 26th to Sunday, July 29th, 2018. The venue is Deeper Life Bible Church Convention Center in Kinston, North Carolina. The thief cometh not but for to steal, kill, and destroy. But Christ has come to give you the abundant life. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do. The theme this year is The Abundant Life. Ministering, Pastor W.F. Kumi, Pastor Michael Dada, and other anointed ministers of God. Also ministering is the Glorious Voices Choir of Deeper Life Bible Church. Come and experience God in the abundance of His power. Come and experience The Abundant Life. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Vivant, joyeux, fort. Donc, gloire à Dieu. Le Seigneur va vous élever ce soir. Il vous donnera la vision, la révélation et la personne qu'il veut que vous atteigniez. Pour faire la différence dans le royaume de Dieu, il vous conduira vers cette personne au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom pour notre formation ce soir. Nous bénissons ton nom pour tout ce que nous avons déjà fait dans le passé. Merci Seigneur pour tes fils et tes filles, tes serviteurs et nos dirigeants ici ce soir. Nous te demandons Seigneur que tu atteignes chacun. Que tu ouvres nos yeux à voir au nom de Jésus et que tu te révèles davantage, Seigneur. Et nous prions que nos vies comptent dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Personne ne sera inutile. Personne ne sera inutile ou négligé. Personne ne sera non profitable, non bénéfique. Chacun de nous sera profitable dans ton royaume au nom de Jésus. Que ta main soit puissante sur chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous avons considéré quelque chose de spécial. Amener le proche, ton voisin. Nous l'avons déjà chanté avant et nous l'avons encore chanté ce soir. Nous l'avions entendu dans le passé. Mais peut-être que nous n'avions pas compris cela.
la puissance, la potentialité, les possibilités d'atteindre seulement une personne. Et ce soir, nous considérons le message suivant, la puissance extraordinaire d'un, la puissance extraordinaire d'une seule. La puissance extraordinaire d'un seul commandement, d'une seule chose. Quand nous voyons le commandement, nous voyons que le fait d'atteindre une personne ou de secourir une seule personne ou de restaurer une seule personne, un disciple, une seule personne, enseigner une seule personne ou transformer une seule personne et d'être une seule personne pour bâtir une seule personne et former cette personne, équiper et renforcer une seule personne est un grand ministère. Et le fait de gagner effectivement et de former effectivement une seule personne à Christ peut conduire à convertir et transformer toute une famille. Atteindre une seule personne pour Christ peut conduire à atteindre toute une maison, atteindre une personne, gagner une personne, toucher une personne, transformer une personne pour servir le Seigneur, peut conduire à atteindre toute une communauté. Atteindre une seule personne, toucher une seule personne, peut entraîner ou conduire à transformer tout un village pour le Seigneur. Atteindre une seule personne, former une seule personne, toucher une seule personne, pour découvrir que vous avez atteint toute une ville, éventuellement une seule personne comme Jonas. Atteindre toute une grande ville, atteignez la personne proche de vous, gagnez la personne proche de vous pour accomplir la grande commission de Christ avec, dans la fermeté. Dans 2 Rois chapitre 5, 2 Rois chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était, comment dites-le-moi, il était lépreux, un grand homme, un homme vaillant, pourtant lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et Naaman alla dire, souligner cela, et quelqu'un avait entendu ce qu'avait dit cette fille, et cette personne non identifiable alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël, à cause de cette petite fille qui est, oui, leur, à cause de cela seulement, Naaman fut guéri. Et Naaman était allé voir son roi. Et Naaman alla voir le prophète. Éventuellement, il fut purifié de sa lèpre. Et au verset 14, il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici,
Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Vous voyez, tous les idoles ne sont plus rien. Vous voyez, cela la condition. Même dans son propre pays, il dit qu'ils ne sont rien. Et si ce n'est en Israël, et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Vous voyez, une seule servante, parlant de la puissance possible pour purifier la lèpre. Seulement cela, vous voyez, un miracle signifiant qui fut éventuellement connu à toute une nation. Venons dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je vous lis au verset 31. 1 Samuel 17, verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répétait devant Saül qui le fit chercher. Ce qui est arrivé, c'est quoi? Il y avait une grande guerre, une grande bataille. Et Goliath était en train de se vanter. Donnez-moi un homme et je vais combattre cet homme. S'il me battait, nous sommes tous dans le temps. Si nous sommes donc serviteurs d'Israël, mais si je le battais, donc tout Israël serait donc soumis à nous. Voyez, tout Israël tremblait devant lui. Et il dit, je peux donc je peux vaincre cet homme. Et une seule personne qui a appris cela alla voir Saül et dit, et Saül avait entendu de lui comme David parlait pour dire qu'il pouvait le faire. Et c'est ce qui avait donc entraîné la défaite de Goliath. Verset 32, il dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Un seul pécheur qui se repentit. Quel est donc l'effet de cela? Voyons dans Luc chapitre 15. Dans Luc chapitre 15, lisons au verset 4, verset 7, verset 10. Luc chapitre 15, verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une seule, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour combien de pécheurs? Pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le ciel le cherche. Le ciel donne l'attention à une seule âme qui se répand, car tout le ciel se réjouit. Il y a certaines personnes qui disent, oh, mais qu'est-ce que cela me vaut de toucher une seule âme, gagner une seule personne à Christ, quelle serait donc la récompense? Tout le ciel se réjouit. Verset 10, il dit, lorsqu'elle, verset 10, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Jean 12. Voyons dans Jean chapitre 12. La puissance extraordinaire d'une seule. Voyons dans Jean chapitre 12, verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Voyons le verset 11. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, à cause de une seule personne, à cause de lui, et croyaient en Jésus. Une seule vie transformée, une seule vie impartée, une seule vie. Et voyez ce que cette vie peut devenir dans le royaume de Dieu. Acte chapitre 5, verset 34.
Actes chapitre 5, verset 34. Il dit, mais un pharisien, cet homme voulait détruire les apôtres, provoquer une nuisance. Il dit, mais ceux-là, ils sont remplis de la doctrine et ils sont toujours têtus. Et ils disent qu'ils vont continuer à prêcher. Vous voyez le verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Il voulait les faire mourir. Pas seulement une seule personne. Les faire mourir. Mettre fin à cette religion. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, voilà le verset 38, au verset 38, et ensuite, et maintenant, je vous le dis, une seule personne qui contrôle toute la direction dans laquelle il voulait suivre pour pouvoir tuer tous ces hommes. Il dit, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Au verset 39, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. La puissance, l'effet, l'efficacité d'une seule personne transformant la pensée du peuple a su la bonne direction. Dans Actes chapitre 9, voyons le verset 11. Actes chapitre 9, verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tasse. Oui, quelqu'un se cachait quelque part, un persécuteur, un blasphémateur. Il est nuisible à toute l'église. Quelqu'un qui détruit toute l'église. Une seule personne. Et il a l'autorité d'aller à Damas pour disperser, pour emprisonner ceux qui pouvaient emprisonner. Le Seigneur dit maintenant, lève-toi Ananias, va dans la rue qui est appelée la droite et demande la maison de Judas pour une seule un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Regardez ici un moment. Vous savez, si nous allons par le fait, par les décisions ou ce que nous savons de façon naturelle, nous ne ferons pas ce que le Seigneur veut que nous fassions. Je prends l'exemple, il y a quelqu'un que nous connaissons dans notre nation et il semble qu'il est à l'image de Saul. Il détruit l'église, il persécute l'église. D'une manière ou d'une autre, nous voulons l'inviter à venir à Bagada. Et tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'écrire un journal ou de monter cela dans un média. Tout le monde le sait, le connaît. Et éventuellement, peut-être que quelqu'un l'invita et l'amena à Bagada. Peut-être qu'il veut seulement venir voir le bâtiment. Il dit, oh, y a un bâtiment comme ça. Et cette église a construit la voie. Il voulait seulement venir. Et ensuite, vous venez à l'église et vous trouvez une telle personne. Vous dites quoi? Une personne, Saul,
Saul, injurieux, blasphémant. Qu'est-ce qui s'est passé à la vie profonde? Cet homme-là, c'est quoi l'église? Et on peut même l'appeler à venir dire bonsoir ou à saluer l'église. Donc c'est fini. C'est un nouveau commencement. Je dis que c'est un nouveau départ. Une telle chose se produit. Nous devons de façon joyeuse et souhaiter la bienvenue à un tel Saul. Qui sait? Il peut même faire plus que Pierre demain. Je n'attends pas l'église. Donc, ce n'est pas à nous de dire que cherche Saul ici. Pourquoi est-ce qu'on invite Saul ici? Oui, même si Ananias s'était plaigné et dit, mais j'ai appris de cet homme. Il est même venu en cette ville, à Damas, pour faire quelque chose de terrible. Voilà le verset 14. Au verset 14, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Vous n'avez pas dit amen à ça? Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Où est cela? Une seule personne peut transformer toute une ville, tout un état, toute une nation. Une seule personne. Et si vous avez le privilège, si Dieu vous donne cette opportunité d'aller à cette seule personne pour l'atteindre, pour lui parler, pour l'inviter, qu'il voie la possibilité de venir à Christ. Et lorsqu'il sera là, d'autres vont suivre. Colossiens chapitre 4, lisons au verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. Verset 12, Epaphras, qui est des vôtres, lui seul vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je prie que cette prière s'accomplisse dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Ce soir, comme je l'avais dit, nous considérons le message intitulé « La puissance extraordinaire d'une seule personne ». Dans notre partie de ce message, numéro 1, le ministère exalté de changer un seul contact à Christ. Une seule personne que vous pouvez contacter, une seule personne qui vous est associée, un membre de votre famille, un ami, un colocataire, un co-travailleur, un camarade d'école, un soutien, quelqu'un qui vous assiste, quelqu'un qui soit votre qui répare vos appareils, vos ordinateurs, votre véhicule, ou même un étranger. Une seule personne a gagné une seule personne. Le ministère exalté de changer un converti à Christ. Numéro 2. Nous voyons le modèle exemplaire de transformer un converti à Christ. Maintenant, il est maintenant converti. Et vous avez maintenant le modèle de transformer ce converti, un seul converti, transformer ce converti dans la puissance de Christ. Voyons le point numéro 3, la multiplication exponentielle à travers la formation d'un seul conquérant pour la grande commission. La multiplication exponentielle à travers la formation d'un seul conquérant pour la grande commission. Point numéro 1. Dites-moi le point numéro 1. Quand vous êtes prêt pour parler, vous allez parler, donc dites-le moi numéro 1. Le ministère exalté de changer un converti à Christ. Venons dans Jean chapitre 1.
le verset 14, Jean 1, verset 40. Verset 40, qui dit, ce fut lui, André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et André, il le conduisit vers Jésus, conduisit Pierre vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Où est cela? Une seule personne conduisa un parenté, qui est conduit un ami, conduisant un associé, conduisant un camarade, conduisant une personne, une ancienneté, une amie d'ancienne, de temps ancien. Oui. Savoir ce que Pierre est devenu éventuellement. Faites-le. Il n'y a personne qui n'a pas d'amis, ne sont pas si isolés, n'ont pas d'amis, des co-locataires, des associés, des personnes que nous avons rencontrées, nous avons des co-travailleurs. Parlez à quelqu'un et parlez-lui avec confiance et conduisez-le à Christ. Luc chapitre 5, voyons le verset 27. Luc 5, verset 25. Verset 27, pardon. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Et il lui dit, dites-le-moi à haute voix, suis-moi. Un seul converti, un seul contact. Il le vit dans la rue. Et il était assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et il laissa tout. Il se leva et le suivit. Il devint son converti. Voilà ce qui a suivi. Verset 29. Lévi lui donna. Voilà cette seule personne-là qui avait été conduite à Christ. Ce seul individu qui avait été conduit à Christ et qui s'est détourné de l'ancienne vie et qui est venu à la nouvelle vie. Cette seule personne aussitôt qu'il est venu à Christ, il est devenu Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Beaucoup. Pourquoi? Verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Il est venu appeler qui? Dites-le-moi, il est venu appeler qui? Les pécheurs à la repentance. Les pécheurs notoires. Les pécheurs terribles. Les pécheurs publics. Les pécheurs bien connus. Ouais. Donc, si des gens sont invités et s'ils sont des pécheurs qui sont venus, la raison est afin que. C'est pour que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, la puissance du Sauveur puissent les atteindre. Et comme nous invitons tous les pécheurs et tu conduis un, tu amènes une seule personne que tu amènes ensemble avec toi ou avec elle, plusieurs vont parvenir à la connaissance du Seigneur au nom de Jésus. Luc chapitre 8, verset. Luc chapitre 8, voyons le verset 38. Verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, attendez là un moment. C'est une personne qui avait une légion de démons, de mauvais esprits, des milliers de ces démons qui le tourmentait, l'opprimant. Cette seule personne est venue à la connaissance du Seigneur, de Christ. Et le Seigneur l'a affranchi. Le Seigneur a établi
Bagada pour un objectif. C'est comme si vous êtes froid ce soir. Il y a un grand vent de réveil qui coule déjà. Les âmes sont sauvées. Les malades sont guéris. Et ceux qui ont des tourments occultes, des puissances occultes, sont déjà délivrés, affranchis. Et ceci, c'est seulement le commencement, la fondation. Ce que vous comprenez, cet homme qui avait ces troubles, ces tourments, des mauvais esprits, fut délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Une seule personne. Voyez le verset 39. Verset 39. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla. Oui, un nouveau converti. Une personne nouvellement sauvée. Une personne nouvellement restaurée. Une personne nouvellement délivrée. Et il alla, une seule personne, il alla et publia. Dites-moi, est-ce que vous êtes là? Dites-le moi. Et publia par toute la ville. Je vous demande ceci: si cet homme a l'opportunité d'utiliser l'adresse email, cet homme avait le privilège d'utiliser des tests combinés, a le privilège d'utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux, comment ou combien de travail aurait-il fait? Mais sans tout ce que nous avons aujourd'hui, sans l'adresse téléphonique que nous avons aujourd'hui, sans l'adresse email que nous avons aujourd'hui, cet homme, il a publié par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Souvenez-vous, les gens de cette ville, ils ont chassé Jésus, ils ont dit qu'ils ne veulent pas le voir parce que tous les troupeaux sont détruits. Mais à cause du ministère, de la percée, à cause de la sortie de cet homme seulement, voyez ce qu'a suivi verset 40. À son retour, Jésus fut reçu, cela, ouais, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. À cause d'une seule personne, une seule personne. C'est pourquoi nous disons le ministère pour atteindre une seule personne est si importante que nous devons prendre cela tout frais et nous devons nous dédier à cette œuvre tout frais. Nous le faisons, nous allons le faire au nom de Jésus. Actes chapitre 11, je vous lis au verset 14. Acte chapitre 11, verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison? Ici, c'est un ange qui parle à Corneille. Et cet homme devait écouter Pierre. Pierre devait venir et déclarer à cet homme la parole par laquelle Corneille, une seule personne sera sauvée et toute sa maison. Voilà le verset 21. Au verset 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. C'était une autre indication, une autre personne qui sortit pour, voilà, une seule personne qui avance, qui sort, et plusieurs sont venus connaître le Seigneur. Verset 24, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Une seule personne qui rend ministère et fait ce qu'il doit être fait, et une multitude est venue connaître le Seigneur. Voyons dans Acte chapitre 16, verset 30. Acte chapitre 16, verset 30. Il nous dit au verset 30, il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ou une seule personne, le geôlier. C'est une seule personne, la tête, le chef de la prison en Philippi. Voyez, il. Verset. Et Paul et Silas, verset Tom.
comme il les avait sortis, il a posé la question, est-ce que, vous voyez, il est intéressé en posant cette question. Non, est-ce que nous pas être dans cette prison, nous devons être dehors là-bas, ayant cette grande croisade, nous être en train de rendre le mystère à des milliers de personnes. Et nous avons mis dans la prison. Et cette seule personne nous pose une question. Que dois-je faire pour être sauvé? Bon, tu vas entendre. Sortons de cette prison et nous aurons une croisade. Et cette croisade te dira ce qu'il faut faire. Donc donne une attention. Et quand vous attendez la croisade, venez. Non, cette seule personne, ils se sont concentrés sur lui, tous leurs efforts. C'est une grande opportunité. Ne ratez pas cette opportunité. Voilà le verset 31. Et Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et quoi? Toi et ta famille. La conversion d'une personne peut conduire à la conversion de toute la famille, de toute la maison, de toute la communauté. Et ils lui annonçaient la parole du Seigneur, lui seul, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Qui vous souviennent, qui seraient dans la prison. Mais cette seule personne les avait sortis de la prison, elle les avait amenés dans sa maison de nuit. Et eux tous avaient entendu de cette parole. Et la même soirée, il les prit avec lui. Et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. C'est l'effet du ministère d'une seule personne. Rendre un service à d'autres personnes. Conduisez celui, la personne qui est proche de vous. Et je vais conduire également cette personne qui est proche de moi. Et en peu de temps, nous les gagnerons au Seigneur. Conduisez-les, gagnez-les un à un. À chapitre 8. Verset 26. À chapitre 8, verset 26. Et l'ange, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Comprenez, Philippe, l'évangéliste, était dans un grand réveil à Samarie. Et l'ange de Dieu dit: quitte ce lieu et va dans un lieu désert. Et se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Vous voyez comment cette personne était si importante, qui avait le contrôle de tout ces trésors de la reine d'Éthiopie, qui est venue à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, l'Esprit dit à qui? L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. C'était l'instrument ou le méthode ou le moyen de déplacement en ce temps. Il n'y avait pas de voiture. S'il y avait de la voiture, il lui dirait: entre dans le taxi, qu'il y a quelqu'un là-bas qui a besoin d'entendre l'évangile. Tout comme une seule personne là, où tu vas dans un, tu prends le vol dans l'avion, atteins la personne qui est à côté de toi, ou c'est dans le train, atteins la personne à côté de toi là. Et l'Esprit de Dieu dit: va, approche-toi de ce char. Et Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez, le ministère d'atteindre une seule personne. Le Seigneur recherche toujours une seule personne qui sera fidèle. Comme vous contactez des gens,
Vous voyez les gens sont. Vous n'avez pas dit ce n'est pas important. J'attends lorsque je suis dans ma salle de maison et les gens se rassemblent. Je vais partager avec eux. Non. Atteignez. Gagnez cette seule personne que vous voyez dans la rue, dans la communauté. Une seule personne. Ézéchiel chapitre 22. Dans Ézéchiel chapitre 22, je vous lis au verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme. Le Seigneur te cherche ce soir, ce jour. Il veut que toi, tu prennes cette parole, cet évangile, et que tu l'amènes à une autre personne. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur parmi eux, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, une seule personne pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je prie que le Seigneur te trouve. Jérémie chapitre 5, le verset 1. Jérémie chapitre 5, verset 1er. Il dit, parcourez les rues de la Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il s'y trouve un homme, le Seigneur se dépend de vous. Vous êtes enfant de deux croyants, vous connaissez l'évangile, la bonne nouvelle, et vous savez que des gens périssent. Et vous n'avez pas besoin d'attendre la foule. Vous, seul, tout seul, une soeur, tout seul, un frère, tout seul. Il dit, si vous pouvez voir, si tu peux seulement voir un homme, s'il y a quelqu'un qui exécute, si s'il trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Quand Dieu le cherche, quelqu'un en Israël, il trouva David. Il te trouvera. Je dis qu'il va te trouver. Et tu seras utile dans la main de Dieu au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Actes 13, verset 22. Verset 22. Et puis, elle l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme, un seul homme. Soyez cet homme-là, soyez cette femme-là, soyez ce frère, cette soeur, que Dieu, sur qui Dieu peut dépendre, et vous n'attendez pas d'avoir atteint toute une foule, une seule vie. La personne proche de vous, atteignez celle qui est proche de vous, celle qui n'a pas encore reçu l'évangile. Soyez passionnant à cela, soyez excité à le faire. C'est une grande opportunité pour cela. Et de là, quelque chose arrivera qui va toucher une autre personne, une autre communauté, une autre région, un autre état et une autre nation. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Nous avons entendu, nous avons tous des contacts. Nous pouvons les tourner à Christ. Vous avez des amis, parlez-leur. Vous avez des amis, des parentés, parlez-leur. Des colocataires, prêchez l'évangile à eux. Des co-travailleurs, des camarades d'école, même des étrangers. Parlons à tous ceux-là. Personne d'entre nous n'est si seul ou isolé que nous n'avons même pas quelqu'un à qui on peut parler. André parla hier, Philippe parla à Nathaniel. Nathaniel a atteint Saül seul. Donc, ouais, il n'avait même pas rencontré Corneille avant de lui prêcher l'évangile. Ouais, cela. Pierre avait été appelé, il est venu lui parler l'évangile. Ouais, cette petite fille domestique a conduit Naaman à la délivrance totale, et Christ fut conduit à tout un étranger. C'est un ministère grand exemplifié par Christ, inspiré par l'Esprit Saint.
Nous ne devons pas perdre aucune opportunité. Nous conversons naturellement avec des personnes. Nous leur parlons seulement. Nous ne parlons pas du sujet le plus important. Maintenant, changez. Les amis, et même ceux qui sont familiers, et qui sont, même ceux qui sont si familiers, y compris, il faut introduire l'évangile dans votre conversation quotidienne. Et prêcher l'évangile. Donner le traité ou donner les livres chrétiens à quelqu'un. Témoigner, partager un message. Chercher, poursuivez et soyez comme Christ. Ce que Christ a dit qu'il est venu faire, voilà dans Luc 19, voilà le verset 10. Luc 19, je vous lis au verset 10. Et il veut que nous ayons la même pensée de Christ. Il veut que nous ayons la même direction de Christ, le même zèle pour partager l'évangile. Luc 19, verset 10. Il dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je prie que ce même zèle te soit donné. Ce même excitation, cette même excitation pour atteindre les âmes à Christ un à un, tu vas la posséder au nom de Jésus. Point numéro 2 maintenant. Le modèle exemplaire de transformer un seul converti en Christ. Quelqu'un qui est devenu converti à partir de votre contact, il est devenu maintenant un converti. Dieu vous a utilisé. Dieu vous a utilisé à lui parler. Vous lui avez parlé, vous l'avez atteint, vous l'avez conduit. Vous avez sorti de ses péchés au Sauveur. Et maintenant, ce converti a besoin de la touche de Dieu, la puissance transformatrice de Dieu, afin de demeurer, afin qu'elle demeure constant en Christ. Christ nous a donné un modèle, le modèle de transformer un converti en un conquérant, le modèle de transformer un pécheur en un saint, le modèle de transformer un pêcheur de poissons en un pêcheur d'hommes. Quand nous suivons le modèle de Christ, venons dans Jean 1, verset 42. Jean, chapitre 1, verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Nous avons lu cela avant, parlant d'André, qui a conduit Pierre à Christ, qui a conduit Pierre hors des ténèbres à la lumière, qui a conduit Pierre à la révélation, nous avons vu le Messie, celui dont Moïse a écrit, le Sauveur du monde. Ils l'ont conduit à Jésus. Et lorsque Jésus l'a entendu, Jésus dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé, dites-moi ce qui suit là. À haute voix, tu seras appelé Cephas. Tu seras appelé. Le Seigneur le cherchait. Il voyait dans le futur. Il n'était pas ainsi. Il dit, tu seras appelé parce que le Seigneur va le transformer. Et nous allons voir la méthode de Jésus afin que ce contact qui est devenu un converti, comment vous comportez à son égard, qu'allez-vous faire, comment transformer sa vie afin qu'il ne demeure pas un bébé pour toujours, qu'il ne demeure pas dans l'ignorance pour toujours, qu'il ne demeure pas dans la faiblesse pour toujours, mais qu'il y a une transformation. Comme vous allez transformer votre contact en un converti et ensuite en un conquérant, cela arrivera au nom de Jésus. Suivons ceci dans Matthieu 4, verset 19. Matthieu chapitre 4, verset 19. Et il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Soulignez ce mot. Je vous ferai pêcheur d'hommes.
Cela voudra dire, le Seigneur veut commencer cela, la procédure de transformation, la procédure qui amène l'homme du niveau bas à un niveau élevé. Mais voyez la méthode de Jésus-Christ, déjà très très différente de celle des pharisiens. Voyez ce que les pharisiens font, ils essaient aussi de former leur convertis. Voyez Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, verset 15. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Ça, c'est comme ça ils le font. Et quand il est devenu, c'est cela qui était dans leur contact, qui transforme en leur converti. Il dit, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la GN deux fois plus que vous. Ils font quoi? Comment est-ce que le pharisien fait? Ils le font. Ils font ce qu'ils font. Voyez le verset 25. Il dit, malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Voyez les pharisiens, tout ce qu'ils font, c'est de changer la partie externe. N'enlevez pas ceci, ne portez pas ceci, ne couvrez pas ça là, ne mettez pas la petite ici, ne brûlez pas ceci. Les œuvres externes, ne vous habillez pas comme ça. Que votre habillement soit ainsi, hein, c'est externe. Ils observent les jours de sabbat, observent les jours de fête externe. C'est de cette façon qu'ils forment leur converti à s'aligner, à suivre leur tradition. Mais Jésus est différent. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ce qu'ils font, c'est d'enseigner des gens certains dogmes traditionnels qu'ils peuvent garder dans leur pensée, et ils peuvent répéter cela, et répéter leur tradition, la tradition de leur religion. Et il dit, maintenant, quand il dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes, il a commencé déjà dès l'intérieur. Les pharisiens commencent leur œuvre à l'extérieur. Pas des commandements. Il ne faut pas porter ceci. Observez ceci, cela. Mais Jésus, il a une meilleure approche. Et c'est la même approche qu'il nous donne. Comme nous transformons les convertis en Christ, et ils deviennent des conquérants. D'où commence cela? Cela commence dès l'intérieur. Dans Jean 8, le verset 11. Jean 8, verset 11. Elle dit, personne, Seigneur. Elle répondit, non, Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Dites-moi, va et ne pêche plus. Il a commencé à l'intérieur. Changez le cœur. Transformez le cœur. Qu'il y ait une nouvelle vie. Voyez le verset 12. Jésus le parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est de cette façon que Jésus transforme les vies. Il transforme la vie du converti dès l'intérieur. Le converti à la grâce et la piété. Le converti en Christ. Parce que tout ce que le converti doit faire, ce n'est pas à le faire par ce que j'ai une formation. Ne peut pas cela. Hein. Ne même pas ceci, n'avons pas dit, mais la grâce, le Seigneur Jésus les introduit à la grâce parce qu'il était plein de grâce et de piété. Et la régénération et la justice suit. La régénération à l'intérieur.
le salut à l'intérieur et une nouvelle vie totale à l'intérieur. Ensuite, suit la justice. Donc, numéro 1, Christ expose ses convertis comme Pierre. Je vous ferai les introduits à la grâce et à la piété, à la régénération et à la justice, au pardon et à l'affranchissement du péché. Il ôte leur condamnation, il leur montre la présence de Dieu pour les conduire, pour les amener à s'attacher à ses promesses, pour savoir que tout ce qu'ils ont confessé, le Seigneur les a pardonné et le Seigneur les a affranchis. Il leur donne la nouvelle naissance et un nouveau comportement. Si un homme ne naît de nouveau, Christ leur donne cela. Et quand il dit suivez-moi, c'est pas seulement qu'ils vont seulement le suivre. Il dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc il leur donna la nouvelle naissance et le nouveau comportement. Il leur donna également l'assurance de la filiation et l'adoption dans la famille de Dieu. Il leur donna l'amour du Sauveur et l'amour des Écritures. Il leur donna le cœur pur et la vie pure. C'est ce qu'il a fait et c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions aussi. Les introduit les gens à la purification de leur vie par la grâce de Dieu, par le sang versé de l'agneau. Et comme ils prient et croient au Seigneur Jésus-Christ, un changement a lieu, une nouvelle vie et un nouveau comportement. Jean 15, verset 3. Jean chapitre 15, voilà le verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Les paroles de foi, la parole d'assurance, la parole qui les amène à croire que tout est possible et que dans leur vie peut être transformée, changée. Ces paroles leur sont parvenues et ils furent purs. Donc le Seigneur veut que nous enseignons aux convertis, nous les illuminons, nous intercédons pour les convertis, nous prions avec les convertis, nous fortifions les convertis, nous faisons d'eux des disciples et que nous les développons afin que toute tentation qui viendrait à eux, qu'ils puissent vaincre. Si vous vainquez, ils vont vaincre. Si vous vainquez, ils vont vaincre. Vous leur montrerez comment le Seigneur vous a amené à vaincre. Et eux aussi vont vaincre au nom de Jésus. Et il dit, je vous ferai. Notez ce mot. Je vous ferai. Cela provient de Christ. C'est dit, lui le Sauveur, lui le Seigneur, lui le Rédempteur. C'est lui qui les fera. Voyons Romains chapitre 6, verset 18. Romains chapitre 6, le verset 18. Souvenez-vous le verbe faire. Verset 18, ayant été affranchi du péché. C'est ce que Christ fait à un pécheur. C'est ce que Christ fait pour ceux qui l'appellent. Il les affranchit du péché. Et Christ demeure le même aujourd'hui. Vous ne pouvez pas les affranchir du péché, mais vous pouvez les introduire à Christ et leur montrer Christ, leur montrer la puissance du sang de l'agneau qui pourra les affranchir. Ils seront affranchis au nom de Jésus. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Voyons le chapitre 8, verset 2. À partir du verset 1er. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, ouais, cela, du péché. Quand c'est converti, lorsqu'ils prient et qu'ils ont les yeux sur Christ, ils ne suivent pas seulement les lois des pharisiens, ils ne suivent pas seulement les lois des religions de la région. Cela, ils vont sur leurs genoux et disent, Seigneur, je crois, tu es mort pour moi, et le sang de Jésus-Christ purifiant de tout péché les purifie, et ils ont la véritable foi dans ce sang qui purifie.
qui les transforme. Et l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit de Dieu de vie, l'Esprit de vie en Christ, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cela arrivera à eux. Jean chapitre 12, ça c'est la procédure. Et voici la puissance que Jésus avait donné à chacun de ses disciples. Et également, il avait donc amené Pierre à traverser cela. Jean 12, 46. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi, y compris Pierre, afin que quiconque croit en moi, tous les convertis en Christ sont venus à Christ, ne demeure pas dans les ténèbres. Et vous n'allez pas demeurer dans les ténèbres, vous non plus. 1 Jean, chapitre 3, dans 1 Jean, chapitre 3, voyez la victoire ici, que ces convertis ont. Voici la victoire que ces disciples de Jésus-Christ ont. Et c'est de cette façon qu'il faut faire le suivi. Les amener à connaître la victoire qu'ils ont, la victoire que Christ a prouvée pour leur vie. 1 Jean 3, voyons le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est exactement ce que Jésus-Christ a dit à ses pharisiens. Dans Jean chapitre 8, il dit, vous êtes des serviteurs du péché, serviteurs ne demeurez pas pour toujours dans la maison. Et il dit, vous êtes de votre père, le diable, et les œuvres de votre père, vous le faites aussi. Il était meurtrier de le passant, un menteur aussi, le père du mensonge. Pierre, si Pierre était toujours comme ça, appartenant à Satan, il ne pourrait pas appartenir à Christ, mais le Seigneur l'a transformé parce qu'il a dit, je vous ferai. Et le Seigneur est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Ouais. Si les convertis demeurent dans le péché, ne sont pas convertis, ne sont pas nés de nouveau, n'appartient pas au Seigneur, parce que quiconque, celui qui pêche ou quiconque pêche transgresse la loi, verset 5, oh, vous le savez, Dieu merci, je le sais. Dieu merci, je le sais. Et vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Pierre demeure en lui. Philippe demeure en lui. Nathaniel demeure en lui. André demeure en lui. Tous ces convertis sont demeurés en lui. Et il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui même est juste. Celui qui pêche, quelqu'un là, dites-le moi, est du diable. Si Pierre demeure, quand Christ a dit, je te ferai, je vous ferai, je vais vous affranchir, je vais vous donner la grâce, je vais te rendre juste, je vous ferai de vous des enfants de Dieu. Je vais vous amener à devenir de véritables enfants de Dieu. Si demeure dans le péché, cela ne pourra pas être, parce qu'ils sont toujours du diable. Celui qui pêche du diable, il les a transformés, il les a touchés, il les a façonnés. Et car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et quiconque est né de Dieu, Pierre était-il né de Dieu? C'est-à-dire que Pierre était-il né de Dieu? Tous ceux qui suivaient, Christ et qui disaient, et qui l'avaient dit, oui, il m'appartient. Je leur donne la parole. Le monde les a haïs. Il t'appartient, il m'appartient. Était-il né de nouveau? Dites-le-moi. Bien sûr, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu,
non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ouais, Jésus-Christ a touché la vie. Jésus-Christ a transformé la vie et la vie est devenue différente. Ouais, la même chose nous devons faire de nos convertis. Les convertis qui sont venus à Christ à travers nous, nous devons leur montrer que Jésus est le sauveur, que Jésus-Christ donne la victoire, Jésus-Christ les a franchis et qu'il brise toujours et la puissance du péché de la vie au nom de Jésus. Hébreux chapitre 2, voyons le verset 9. Hébreux 2, verset 9. Il nous dit dans Hébreux 2, verset 9. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges de Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont tous, sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'était l'objectif de Christ. Pas seulement, suivez-moi aller à l'église, suivez-moi aller au temple, suivez-moi aller à la cellule de maison, suivez-moi aller à la vie profonde, suivez-moi et allons-y seulement, et pour voir le miracle, pour voir les yeux ouverts. Il devait les conduire à la gloire. Et la même chose de nos convertis, nous devons réellement toucher leur vie. Nous devons réellement les atteindre, les enseigner la parole de Dieu, afin qu'il y ait la transformation dans la vie. Et Christ, dans sa grande puissance, dans sa grâce, les conduisa, va les conduire à la gloire. Il va t'amener à la gloire. Il va amener te convertir à la gloire. Il va amener toute l'église à la gloire. Voici ce verset 10 encore. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire, dites-moi, à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances de le prince de leur salut. Chapitre 7, Hébreux 7, voyons le verset 25. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux, il peut les purifier parfaitement, il peut les affranchir parfaitement, il peut leur donner la victoire parfaitement, il peut les sauver parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Vous aussi, vous intercédez pour ces convertis, vous priez pour eux, vous priez avec eux, vous les assistez spirituellement à devenir forts dans le Seigneur et à avoir la conviction et à avoir la colonne vertébrale. Voyons dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vous lis au verset 6. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Souvenez-vous, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a rendu. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Christ, la grâce de Christ. C'est la bonté de Christ. C'est le sacrifice de Christ. À cause du calvaire, ce qu'il a sacrifié pour nous sur la croix du calvaire, il nous a rendu. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Actes 4, verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, souvenez-vous, Pierre, il avait renié le Seigneur, faible, abattu, sans aucune colonne vertébrale, ne peut pas porter sa colonne vertébrale, ne peut pas porter. Vous voyez cela? Il avait perdu tout quand il avait été défié, mais maintenant, Christ l'avait donc visité, l'avait ramené, l'avait restauré, et Christ l'avait avait donc intercédé pour lui, et Christ l'avait donc revêtu de puissance. Et maintenant, l'assurance est venue.
nos convaincus seront assurés. Ils auront le pouvoir et ils vont tenir ferme et seront plus faibles et tremblants au nom de Jésus. Oui, ce n'est pas bon d'avoir tous ces convertis, les membres de l'église. Oui, nous venons, mais ils sont faibles. Oui, ils viennent, mais ils ne peuvent pas résister à la tentation. Ils viennent, mais ils ne sont pas forts. Ils viennent, mais ils ne sont pas fermes. Ils viennent, mais ils n'ont pas la conviction. Non, je vous ferai, et il les a fait. Et la puissance de Christ a transformé leur vie. Et c'est ce qu'il veut que nous fassions. Choisissez seulement un converti. Concentrez-vous sur ce converti, ce seul converti. Faut pas seulement tourner autour du pot. Vous attendez ceci, cela. Touchez cette seule personne là. Atteignez cette personne. Transformez cette seule personne. Jusqu'à ce qu'il ait le courage de tenir. Il va tenir au nom de Jésus. Verset 13. Il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, ils avaient appris de ces convertis, ces disciples, ces suiveurs de Christ. Ils ont été avec Christ. Le monde va reconnaître que tes convertis ont été avec Jésus. Un changement a pris place dans leur vie et une transformation a eu lieu dans leur vie, et ils sont maintenant forts dans leur pensée, forts dans leur esprit, forts dans leur intérieur, dans leur âme, et forts dans leur colonne vertébrale, et forts dans leur conviction au nom de Jésus. C'est cela, c'est cette force-là de l'esprit, c'est ce courage de l'esprit qui nous permet de savoir que nous faisons proprement le suivi. Et c'est cette force, ce courage qui nous permet de savoir que ces convertis ne sont pas des convertis qui sont toujours bébés, mais ils vont tenir contre la tentation. Ils vont résister à la tentation et ils vont résister toute chose qui va viser à les décourager, à les ramener au monde au nom de Jésus. Ils vont continuer avec le Seigneur. Je dis qu'ils vont continuer avec le Seigneur. Voyons Luc chapitre 22. Luc 22, le verset 28. Luc 22, voyons le verset 28. Il dit au verset 28, Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est ce que Christ a dit de ses disciples. C'est ce que Christ a dit de ceux qu'il a gagné par lui. Dit, si on continue avec lui, et nos convertis vont demeurer avec nous. Je dis que nos convertis vont persévérer avec nous. Voyons le Jean. Voyons Jean maintenant. Jean 8. C'est la continuation de leur foi, la persévérance dans leur foi qui importe beaucoup, parce que c'est seulement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. Voyons dans Jean chapitre 8. Voyons le verset 30 au 32. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Dites-moi ce qui suit à haute voix, avec confiance. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ils ont demeuré. Nos convertis vont demeurer. Nos membres vont demeurer. Et comme ils demeurent, ils seront forts au nom de Jésus. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je connais la vérité. Et la vérité m'a affranchi. Amen. Point numéro 3 maintenant. La multiplication exponentielle à travers la formation d'un seul conquérant pour la grande commission. Nous allons penser à deux de ses disciples de Christ, Pierre d'un côté, Paul de l'autre côté. Comment avaient-ils été formés, développés?
comment ils avaient été renforcés, fortifiés, soutenus ou remodelés. Comment est-ce que leur vie était devenue si forte qu'ils sont devenus conquérants pour la grande commission. Voyons Pierre pour commencer. Revenons dans Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Je vous lis au verset 31. Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Le Seigneur prie pour toi. Et tu dois aussi prier pour te convertir, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras restauré, quand tu vas retourner au Seigneur, et quand tu seras pleinement restauré de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, affermis tes frères. Et ensuite nous venons dans Marc chapitre 16. Vous rappelez ce qui est arrivé ici à Pierre. Il avait renié Christ, il avait rétrogradé, et maintenant comme Christ est ressuscité des morts, voyez l'instruction qu'il a donnée à travers les anges. Marc 16 verset 6, il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples, dites-moi ce qui suit là, dites-moi cela à haute voix, et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Le Seigneur ne va pas abandonner Pierre. Le Seigneur ne va pas cesser de suivre les rétrogrades. Il dit, puisqu'il a dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et maintenant que Pierre s'est retiré, s'est rétrogradé, il avait renié. Et après qu'il est ressuscité, il cherchait toujours Pierre. Il dit, allez dire à mes disciples et dites à Pierre. Et la même chose, quand vous avez été convertis, parfois ils sont à terre, ils sont découragés. Parfois, peut-être qu'ils ont même péché. Et dans cette situation, vous n'avez pas dit, bon, lui, c'est fini, oubliez-le. Le Seigneur ne va pas vous les oublier. Le Seigneur ne va pas vous oublier. Et ils vont revenir au nom de Jésus. Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il y a dit encore, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, il ne va pas l'abandonner. Il le fortifie. Il le rendait, l'amenait à répéter son engagement, sa consécration, à confesser son engagement, sa consécration, afin que cela soit ferme et non. Et cela ne soit pas qu'on ne peut pas secouer trois fois, afin que devant une tentation il puisse se rappeler trois fois. Il dit paix mes brebis, verset 17. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, quelqu'un là-bas, paie mes brebis. Venons dans Actes des Apôtres, chapitre 2.
la multiplication exponentielle à travers cette seule vie, la multiplication exponentielle à travers ce seul converti qui est devenu un conquérant, qui est devenu un champion, qui est devenu un grand apôtre dans la main du Seigneur. Actes apôtres chapitre 2 verset 14. Actes chapitre 2 verset 14. Ici il nous dit au verset 14: alors Pierre se présenta avec les onze et leva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Voici, ouais, il parlait avec confiance, sans crainte, et il parlait avec conviction, parce que maintenant l'accomplissement de ce que Jésus a dit dans son premier jour qu'il appelait, je vous ferai. Maintenant, il a maintenant fait. Voilà le résultat. Je vous lis au verset 37 maintenant. Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta. Combien? Dites-le-moi là. Dites-moi à haute voix. D'environ 3000 âmes. Vous savez de quoi nous parlons. Un seul converti. N'abandonnez pas cela. Ne vous lâchez pas sur celui-ci. Ce qu'il peut faire, après qu'il soit solidifié, après qu'il soit fortifié, après que la colonne vertébrale soit affermie, un seul converti. Cette personne que vous atteignez, vous touchez, vous transformez, vous formez, ce qui peut devenir. Comment des multitudes pourraient venir à travers eux dans le royaume. Voilà le chapitre 5 des Actes des Apôtres, verset 14. En chapitre 5, verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues. Verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenait des malades et des gens tourmenté par les esprits impurs. Verset 15. En sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que quoi? Lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Ouais, au jour où Christ avait été crucifié, le jour où Pierre avait été avait renié Christ, s'il avait été ignoré, donc tout cela n'arriverait pas. Mais vous continuez à les conseiller, vous continuez à les élever, vous n'avez pas abandonné jusqu'à ce qu'ils deviennent si forts. De multitudes viendront à Christ à travers eux au nom de Jésus. Fait que l'ombre de Pierre, fait que l'ombre de Pierre, lorsque Pierre passerait, au moins couvrit quelqu'un de la multitude, accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient, dites-moi, guéris. Des multitudes sont venues à travers cet apôtre qui était affaibli dans le passé. Affaibli au début, qui était tremblant au début. Et je vous ferai, même vous-même, vous étiez faible dans le passé, maintenant vous serez fort. Et tu feras des exploits pour le Seigneur au nom de Jésus. Ça, c'est Pierre. Voilà maintenant Paul, Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9, lisons le verset 26. Actes des Apôtres chapitre 9. Voyons le verset 26. Et lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul l'a enduré, Saul tâcha de se joindre à eux,
mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fut un disciple. Qu'en est-il que quelqu'un n'est pas venu le dire à ce moment? Voilà le verset 27 maintenant. Alors Barnabas l'a pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem. C'était parce que Barnabas était venu le soutenant, l'assistant et s'associant aux croyants, l'associant aux croyants de Jérusalem. Et maintenant il acceptait et il allait venait avec eux dans Jérusalem. Verset 29, il dit, il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Verset 31, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Oui, elle s'accroissait. Maintenant, vous verrez, quand vous voyez ce verset 29 au verset 30, oui, il était maintenant envoyé à Tarse. C'est ça, sa propre ville, il était là. Mais ensuite, Barnabas n'allait pas le laisser. Et vous vérifiez et vous suivez de près. Est-ce qu'ils ont fui? Est-ce qu'ils ont fui la persécution? Vous les atteignez. Si cet homme peut être renforcé, cette soeur peut être renforcée, si nous pouvons les bâtir, les renforcer, les élever, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Chapitre 11, verset 25. Chapitre 11, voir le verset 25. Il dit au verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Si, qu'en est-il s'il l'avait laissé, ignoré, isolé, parce que maintenant la persécution s'était soulevée très tôt contre lui. Maintenant Barnabas était allé le chercher. Verset 26 maintenant, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Oui, Barnabas ne veut pas le laisser. Chapitre 12, verset 22, verset 24, pardon. Chapitre 12, verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem amenant avec Jean, surnommé Marc. Chapitre 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque et Saul. Verset 2, pendant qu'ils avaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour lequel, à laquelle je les ai appelés. Oui, Saul, dès son début, il y avait Barnabas qui le préparait, qui le développait pour jusqu'à ce qu'il ne devienne un grand apôtre. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. Chapitre 14, voilà le verset 1er. Saul est devenu Paul. Verset 1er de chapitre 14, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent sans crainte en toi. Ils n'avaient pas de crainte dans tes convertis.
formez-les, développez-les, façonnez-les, qu'ils ne dépendent pas tout le temps de toute leur vie comme des bébés, mais qu'ils soient en mesure de parler. Voyez, ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de juifs et de grecs crurent. Verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Des multitudes viendront à travers toi. Chapitre 15, Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 30 et 31. Actes chapitre 15, verset 30. Il dit, eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Ils se sont réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Chapitre 17, verset 1er. Chapitre 17, verset 1er. Paul et Silas passèrent par Amphipolie et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Verset 4, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Barnabas, à Silas, pardon, ainsi qu'une grande multitude. Voici cela, une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Voici ce qu'on voit ici, une seule personne qui est gagnée, une personne comme Pierre, de multitudes viendront après cela atteindre une seule personne comme Paul, de multitudes viendront plus tard. Pierre était une fois nouveau converti. Pierre ou Paul fut une fois de nouveau converti. S'ils avaient resté dans leur état de patronisme, et s'ils étaient restés, Paul serait isolé, un individu isolé pour toujours et de façon regrettable. Mais s'il n'avait pas un Barnabas, c'est ainsi. Mais pour à cause de l'amour, chacun d'eux avait été accepté, transformé. Chacun d'eux avait été renforcé. Chacun d'eux avait été devenu fort et formé. Et ils avaient été équipés. Chacun, ils avaient été ils étaient engagés dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce que nous devons faire pour nos convertis. Les aimer, les accepter, à commencer tels qu'ils sont. Mais il ne faut pas les laisser ainsi. Formez-les, enseignez-les, conseillez-les, intercédez pour eux, priez avec eux, les transformer, renforcez-les, leur montrer les promesses de Dieu, que Dieu veut donner la puissance. Il sauve et sanctifie et il baptise dans le Saint-Esprit. Amenez-les, sortis ensemble, impliquez-les dans l'évangélisation, engagez-les, équipez-les et formez-les dans l'évangélisation. Pierre avait été entraîné de multitudes dans le royaume de Christ. L'apôtre Paul également, éventuellement, avait conduit des multitudes à Christ. Je prie que ça le fasse à travers toi. Tu ne seras pas un gain d'âme inutile. Il n'y a pas d'amen là-bas. Tu ne seras pas un gain d'âme faible au nom de Jésus. Le Seigneur va te fortifier. Et il y aura le feu dans ta vie, le zèle dans ton âme. Et tu vas atteindre ces âmes, et que tous ces convertis seront fortifiés au nom de Jésus. Nous venons dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Je vous lis au verset 19. Voici l'apôtre Paul ici qui donne son témoignage. Et il dit, à travers des signes et des
par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Ça, c'est Paul. Maintenant, c'est toi. Je dis, maintenant, c'est toi. Qu'allons-nous faire pour ces convertis? Vous témoignez à des gens authentiquement. Et quand vous voyez quelqu'un qui s'intéresse, réveillez-le. Réveillez son esprit, son âme, qu'il se réveille. Vous témoignez en général. Maintenant, vous identifiez quelqu'un qui répond. Réveillez-le. Gagnez-le au Seigneur. Gagnez-la au Seigneur. Et veillez sur cette seule personne. Veillez sur cette seule personne, sur ce converti. Ce seul frère, ce seul soeur, œuvre, marchez à travers les tentations ensemble avec eux. Ne les laissez pas seuls. Marchez, qu'ils marchent à votre côté, afin que vous leur donnez les conseils, vous les aidez. Marchez ou œuvrez sur leur vie, travaillez sur leur vie. Et s'il y a un domaine de leur vie qui soit déficient, un domaine de leur vie qui soit faible, travaillez pour sur leur vie. Si vous voyez qu'ils sont en train de sembler se retirer, et avertissez-le. Et ensuite, vous devez également prier pour eux et aussi préparez-le pour le ciel. Si nous faisons cela, nous les gagnons un à un. Pas seulement les gagner, mais vous les veillez, vous veillez sur eux. Pas seulement ça. Vous travaillez ensemble avec eux. Vous travaillez sur leur vie, sur leur domaine ou les domaines où ils sont faibles. Et maintenant aussi, vous êtes intéressé pour eux. Vous les préparez pour l'enlèvement. Sachant que quel que soit ce qui arrive, ces convertis seront avec moi. Ce converti devant moi sera avec moi au ciel. Tu y seras. Ils y seront. Gagnez-les un à un. Et rassurez-vous que vous faites tout ce qu'il sera vaut pour les développer, pour les fortifier. Et Dieu merci, ils deviendront de grands évangélistes, de grands pasteurs, de grands prédicateurs dans le futur, même au nom de Jésus. Cela arrivera. Je dis que cela arrivera. Quelqu'un disponible pour rendre cela possible? Quelqu'un est-il engagé là pour que cela soit, cela arrive? Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Aujourd'hui, nous avons vraiment prié. Nous avons vraiment prié aujourd'hui que le Seigneur lui-même va les toucher, va les transformer et va nous aider à les former afin que, comme nous les amenons au Seigneur, nous veillons sur leur vie et nous prions pour eux, intercédant pour eux. Ils ne seront pas perdus, ils ne seront pas affaiblis, ils ne vont pas donc seront pas égarés, ils ne seront pas donc rétrogradés. Ouvrez votre bouche et parlez au Seigneur. Si vous aimez ces convertis, parlez au Seigneur. Si vous n'avez pas encore de convertis, dites au Seigneur, je veux avoir de convertis. Je veux avoir de convertis. Je ne veux pas être spirituellement stérile. Je ne veux pas être anémique. Je ne veux pas être ne pas avoir d'impact sur une vie. Je veux témoigner, les gagner, les réveiller au Seigneur. Et ils vont demeurer. Dis au Seigneur, identifie ces convertis, ceux que tu as amenés au Seigneur. Identifie-les et aide-les à demeurer. Quelqu'un a aidé Pierre, tu peux aider tes convertis. Quelqu'un a aidé Paul, tu peux aider tes convertis. Jusqu'à ce qu'ils deviennent forts pour conduire des multitudes au Seigneur. Que le Seigneur t'utilise. Gagne-les un à un. Forme-les, transforme-les, fortifie-les aussi.